c'est Greg le Geekou, j'ai joué votre anime et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne. Oui, une accrotidienne c'est quoi? Eh ben c'est un petit peu les news, on va parler un petit peu de cette accrotidienne, des news high-tech, des news JT Geek, un petit peu des trucs que j'ai pu voir par exemple à la télé ou en vidéo, enfin surtout en vidéo qu'à la télé, et puis on répond un peu aux questions qu'on a pu voir un petit peu intéressantes. Donc la semaine dernière, pas eu d'accrotidienne de la semaine à cause du salon de Hong Kong, le rythme était quand même assez soutenu, on a voulu couper les vidéos et tout, donc on s'est retrouvé avec une vingtaine de vidéos tranquilles, donc on a quasiment passé le mercredi, le jeudi et le vendredi à mettre des vidéos, donc il n'y a pas eu de test. Et là, on va reprendre la quotidienne. Dans sa quotidienne, nouveau format, en fait, vous n'en aurez plus que 3 par semaine, ce qui permettra de passer plus de temps ensemble, même si vous préférez que ça soit court. Certains préfèrent que ça soit long. C'est un truc de mec. donc là, on fera lundi, mercredi et vendredi. Donc à savoir que vous serez à jour plus 1. Lundi, donc vous la verrez lundi soir pour les Geek Plus, mardi sur JT Geek, le mercredi, mercredi soir pour les Geek Plus, jeudi. Et celle du vendredi, eh ben, ça sera le samedi sur JT Geek. À savoir que vendredi, eh ben, c'est le 1er mai aussi en Chine et que ça sera férié. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé de bien? Alors, on commence par samedi. On va reprendre la semaine, hein, normal, on prend le rythme. Alors, on a fait le vidéo sur le AO Nikon, un petit robot avec des moteurs qui faisait des trucs comme ça, qui faisait des pompes et tout, donc et radiocommandé. Plutôt sympa, truc de geek. Moi, personnellement, dès que j'ai un peu de temps, je les recontacterai. J'aimerais bien. Sur mon bureau, là, ça ferait classe. Des news sur le phone BeatTouch, bien sûr. Ils confirment. Et ça reste quand même un petit peu ambigu, ces news. HD, Full HD. Sur l'affiche au salon, on a bien vu HD. Sur l'affiche qu'ils nous ont envoyé, on a bien vu Full HD. Donc, il faudra encore attendre un petit peu. Zoppo qui va sortir un Zoppo 7 et un Zoppo 7 Plus. Alors le problème c'est que pour l'instant au Zoppo on n'est pas très bien branché. Faudra que j'essaie de me maquer avec une autre boutique pour avoir un peu plus de Zoppo. Parce que là on arrive à avoir un petit peu soit les modèles avec les marques, soit certains modèles avec d'autres boutiques. Mais Zoppo pour l'instant on n'a personne, donc on va essayer de se brancher un peu avec eux. La vidéo pour le Feiyutech, Xiaomi qui va faire aussi... Alors Feiyutech, hein, les steadicams, machin et tout. On est en contact avec la meuf, hein, on va essayer d'en avoir, on avait déjà été essayé. En fait c'est un truc avec deux petits moteurs et la caméra reste toujours droite. Donc il y a une vidéo sur le salon, ils ont plein de modèles. En plus quand j'en avais parlé, ils étaient assez motivés. On leur a demandé si on pouvait retourner celui que j'ai parce que je l'ai cassé. J'ai cassé, coupé la nappe et tout, enfin pas exprès, hein, mais... Donc on a vu ça avec eux, ils m'ont dit, voilà, donc là on va voir ce qu'ils vont nous répondre un petit peu avec le mail. Et je me rends compte que sans mon book, c'est moins bien. Hein, c'est ça, si tu demandes ce que c'est comme ça, sans le book. Alors ensuite, Xiaomi qui va faire un partenariat avec BMW. Encore une fois, il va falloir attendre un petit peu d'en voir un peu plus loin. Le robot humanoïde, pareil, la vidéo, un truc de dingue, hein, pareil. On vous en reparlera. Mais normalement, ce robot humanoïde, ça fait partie de l'université de Hong Kong. Et apparemment, on aimerait bien prendre rendez-vous avec eux pour aller voir le truc nous-mêmes, faire une interview avec un petit reportage et tout. Ça pourrait être vachement sympa, puis de voir un petit peu comment on peut interagir, voir s'ils parlent français, voir un petit peu tout ça, discuter un peu avec eux, voir leur évolution, parce que là, au salon, on n'a pas eu trop de temps, mais ça pourrait être intéressant de faire un truc vachement, aller à Hong Kong, voir le truc, et puis d'ouvrir un peu. C'est vraiment le truc high-tech du futur, donc ça pourrait être pas mal. Et enfin, Elephone qui va sortir un Elephone P4000. Voilà, ça fait partie des nouveaux smartphones qui vont arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ce week-end? Alors, ce week-end... Je vais faire par dimanche. Alors, dimanche, et après je ferai les vidéos. Dimanche, alors apparemment il y aura un Z1 Turbo qui devrait sortir. Et apparemment c'est vraiment infirmé, parce que même, si vous regardez, même iFox, ils l'ont déjà rentré en boutique. Donc pourquoi pas une évolution du Z1. Alors après, il y en a qui vont crier encore en disant que l'autonomie n'est pas géniale et que GPS marche pas terrible. Mais bon, pourquoi pas. Après, peut-être il y a un Z1 Turbo, peut-être ça corrigera ça. Et encore, n'oubliez pas qu'il y a la mise à jour 5.0 qui devrait arriver prochainement, qui pourrait corriger pas mal de petits bugs. Jolly qui va nous sortir un GN9008, alors qui sera un téléphone, pour l'instant on ne sait pas, soit 2K, soit 4K, soit QHD avec un gros Q, parce que c'est une grosse HD, voilà, c'est ça. Donc à voir, mais pourquoi pas, technologiquement ça sera intéressant, même si le téléphone en lui-même ne devrait pas casser 3 pattes à un canard, si ce n'est qu'il va être encore incroyable, mais vous bouffez votre batterie en 3 heures. Donc il faudra attendre. Dimanche, la GoToFac, bien sûr, une GoToFac bien. GoToFac, je me suis bien éclaté hein, pour la faire. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous êtes déjà 1600 en 24 heures à l'avoir regardé. Donc je pense que vous êtes 1600 à avoir pris du plaisir avec moi à faire cette GoToFac, ce qui nous fait quand même une partouche géante. Il faut bien l'avouer. Alors ensuite, les news du jour. Aujourd'hui, il y a un truc sur le téléphone P3000S. C'est apparemment, il y a eu un P3000S 2Go, un P3000S 3Go, et là, une version 3Go avec un processeur MT6752 et 3Go de RAM, et voilà, tout mieux, tout bien, donc à découvrir. Un article sur Call of Duty par notre rédacteur stagiaire blagueur. Oui, oui, voilà, oui, dit oui. Donc,
pas trop pour la nouveauté, mais surtout parce que voilà, dans la vidéo du futur, ils font bien voir, vous voyez, les trucs, c'est dans le bras et des machins comme ça. Donc voilà, c'est vraiment le futur, ils expliquent un peu les étapes et l'évolution de l'humanité, trop génial. Ensuite, un petit article sur le Mi 5, donc qui est paru là il y a très très peu de temps. Voilà, donc que vous pouvez découvrir sur internet. Bon, après, c'est simplement parce qu'il y a eu un brevet sur un lecteur d'empreintes. Je vous invite à le découvrir. Un Focus qui va sortir un M350 et un M350E. Un Focus, on vous rappelle, c'est un peu la marque de Foxconn. Foxconn a décidé de lancer un petit peu sa propre marque sous la marque Un Focus. Donc, un Foxconn, pour ceux qui ne savent pas, c'est eux qui fabriquent les iPhones, c'est eux qui fabriquaient les SFR Box, c'est eux qui fabriquaient de nombreuses, nombreuses box. Donc, et surtout toute la gamme Apple. Donc, c'est une usine qui tient la route. Un article sur le Lenovo K80, un téléphone avec 4 Go de RAM, parce que c'est un K80, ce qui n'a aucun rapport, mais ça faisait bien K4, voilà. Et enfin, un article sur le, bah, juste entre les deux, sur le McFly, un smartphone, voilà, avec un jeu de mots avec Marty. Marty, McFly. Oui, mais on a des super vieux, on a des super vieux, donc on a le droit. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire sur la Good Fact, puisqu'on va enchaîner ça, un mec qui me dit, tu sais ce qu'ils disent les super vieux? Et en fait, j'ai pas pu répondre. On peut pas répondre à tous les commentaires si vous n'êtes pas assez bien loqué. Et ben, j'ai envie de vous dire, les super vieux, ils me disent. Ah bah non, ils ont oublié. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, c'est ce week-end, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Viking. C'est fini. Ils ont dit, super, j'espère que c'est pas le dernier. J'en suis au numéro 10. Ils ont dit que c'était le dernier là. Et on ne sait pas là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà, Sea Viking, c'est fini. Je veux dire, c'est une page qui se tourne. C'était exceptionnel. Encore cette saison-là, bien. Ah, ils sont allés en France et tout. Ils ont tout démoli. C'était pas mal. Un dernier épisode de Blacklist. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu d'épisode de Blacklist. Là, il y en a un qui est tombé. Donc c'était plutôt rigolo. Bien. Non, cette saison est bien. Là, on commence un petit peu à avoir le dénouement et tout. Avant la saison 42, on devrait savoir, hein, normalement. C'est pas mal. J'ai regardé aussi Big Bang Theory, comme toujours, toutes les semaines. Je suis obligé. Je vous conseille cette semaine le Big Bang Theory parce que c'est avec un drone. Alors la fin est un peu bidon, mais voilà, il a un drone et tout, et regardez ces mecs-là mettre en route le drone, c'est juste exceptionnel. Ensuite, en film, je vous conseillerais le film que j'ai vu, c'est Automata, avec Antonio Banderas, avec des robots et tout dans le futur, qu'ils ont pris des robots, des machins et tout. Ah, oh, le début est génial. Franchement, c'est bien, on est dedans, voilà, les robots, un truc, je vais pas spoiler. C'était bien, et après, en fait, regardez la bande-annonce et vous saurez un peu. Et après, voilà, il l'emmène en dehors de la ville jusqu'à un truc. Et c'est à partir de là que ça part en queue de pire. Je vous invite à le regarder, c'est que on s'attend à un truc de sociopathe, de Terminator et tout, et en fait, ça finit plutôt à la Scooby-Doo. C'est la Scooby-Doo qui fait comme ça. Encore une fois, il aura fallu voir et tout. Donc voilà, à la fin, j'étais un petit peu déçu, mais je vous invite à le regarder, puis par exemple, à me laisser en commentaire ce que vous, si vous avez vu ce film et ce que vous en avez pensé. Voilà, bah c'est tout. Putain, 7 minutes 52. Oh, moins de 10 minutes, il est trop fort. Il est trop fort. Moins de 10 minutes pour cette acrodienne qui était un peu vite. Voilà. Il n'y a pas eu énormément de commentaires. Donc si vous avez des questions à poser ou des commentaires, vous les posez directement sur YouTube ou sur le JT Geek dans la quotidienne de mardi qui sera là. Bah, vous la verrez mardi. Et puis je répondrai bah, ça mercredi. On va faire ça tous les 2 jours. Ça permettra d'étaler un petit peu. Ça permettra un petit peu à la quotidienne de prendre un peu et puis d'avoir soit un peu plus de contenu, soit de pouvoir filtrer les contenus intéressants pour éviter de parler de rien. En faisant un rendez-vous qui, tout compte fait, vous voyez, je peux arriver à tenir en 10 minutes. Donc, je suis assez fort de moi-même. Voilà. Donc, c'est tout un petit peu pour les news. Il y a eu beaucoup de news high-tech. Il y a eu beaucoup de news au niveau de la vidéo. Et puis, voilà. Et puis, il y a pas mal de choses sur lesquelles on est en train de travailler en off. Donc, on vous en parlera tout doucement pour voir si ça marche. Si ce qu'on arrive à faire, ça marche, je vous en parlerai. Si ça marche pas, je ferai le canard. Je dirais, non, mais non, on n'avait rien fait. Voilà. Je vous remercie. Excusez-moi. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous maintenant, demain, pour un test high-tech, ça c'est sûr, test smartphone, et dès mercredi pour la prochaine Acrotidion JT Geek, parce qu'on est les seuls à faire ça. Voilà, questions, commentaires dans les commentaires, comme d'hab. Allez, paix et prospérité, à mercredi, bye bye. Tchou, bonjour et bienvenue pour cette Acrotidienne, la quotidienne du mercredi. Oui, on vous a dit maintenant, la quotidienne c'est 3 fois par semaine, et ben ça tombe en milieu de semaine, le mercredi. Donc la quotidienne c'est quoi? Comme toujours, on divise ça en 4 parties, on vous fait un petit peu les news high-tech, les news JT Geek, les trucs que j'ai pu regarder un petit peu à la télé. Et on finit par les commentaires et les remarques qu'on a pu voir un petit peu sur internet. Alors, mardi, qu'est-ce qu'on avait de bien? Alors, apprendre à danser avec les japonaises. Oui, parce que je vais au Japon bientôt, le 12 mai. Salon au Japon sur le smartphone et tout, ça va te déchirer, je vous le dis moi. D'ailleurs, on vous en parlera le 1er mai. Il y aura un post dédié pour ça, vous saurez tout. Donc, bon, c'était pour la blague. Lenovo A6000.
Donc les nouveaux qui sortent, les nouveaux, ils sortent beaucoup de smartphones, en fait des smartphones qui sont destinés uniquement à la Chine. Vivo qui va proposer un X5, donc là je vous conseille, par exemple il y a un avion de chasse de ces Vivo. Mlaïs avec son M7, et après on a eu le MX aussi, donc je suis pas très fan de reprendre les news de Mlaïs, parce qu'à la base, le dernier on en a quand même eu un pour nous l'ont donné pour test, là plus de nouvelles, hein, silence radio, les mecs, plus rien, donc s'ils vont pas nous donner de téléphone, et ils vont se faire voir, je dis attends, on va pas reprendre toutes les news non plus, en sachant qu'on pourra pas les tester. Alors le Bitouch, voilà Bitouch qui annonçait en fait qu'il allait avoir une charge rapide, voilà donc le prochain. Alors apparemment il devrait être disponible à partir du 10 mai pour le sample. Voilà, c'est ce que le son de conche qu'on a eu avec le représentant de chez Ulefone, et on devrait être les premiers à l'avoir. Donc j'espère qu'on va l'avoir FISA, parce que nous on part le 12. Si on l'a le 10, on fait la vidéo le 11, ça va être Rick cette histoire. Et enfin, la mise à jour en 5.0 du Bipro, qui a été une catastrophe atomique, hein, on va pas se le cacher. Ils ont fait une mise à jour avant-hier soir en disant mettez à jour. Bah, les mecs, ils se sont levés le matin tout frais, mise à jour, ils ont cliqué. En fait, la mise à jour était virolée de chez eux, plantée, ça faisait planter les appareils et tout. Enfin, c'était le bordel. Du coup, bah, vous êtes nombreux à pas être contents contre Ulefone. Vous êtes même nombreux à pas être contents contre Skyphone, mais là, on a du mal à comprendre. Et donc, voilà, on a fait un tuto sur le blog. On se rend bien compte qu'il y a des membres qui sont relativement sympathiques, qui sont prêts à vous aider là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog. Et il y a une solution, soit avec le recovery, soit en réinstallant la ROM. Mais voilà, on n'est pas obligé de renvoyer en Chine, il y a des solutions. Là, il faudra mettre un peu les mains dedans. Je m'excuse auprès de Ulefone, on va dire, parce que je veux dire, moi, j'y suis juste pour rien. Mais voilà, Ulefone, ils sont comme ça, et on peut avouer tous ensemble que dès le début, ils font quand même pas mal de conneries. Et avec le Bipro, c'est juste conneries sur conneries. Hein. En fait, il les a... Et le retour de l'eau quotidienne, donc là, mardi, ce qu'on la connaît qu'on a fait lundi, on l'a repris sur JT Geek, mardi, c'était pas mal. On a fait le test du Baby Pur, un test qui a pas trop mal marché, 1500 vues en 24 heures. Bon, c'est pas exceptionnel, mais pour un téléphone qui est quand même relativement sporadique, qui n'intéresse pas grand monde, c'est bien. On espère que les vidéos prennent un peu plus et de plus en plus. Les news de mercredi. Alors, mercredi, c'était un peu mieux. On a fait la première vidéo ce matin, c'était sur le bracelet de la InWatch, non, le bracelet de la Apple Watch d'abord, parce que je me mélange un peu les pinceaux, qu'on a trouvé sur le market. Donc, des bracelets à un truc à 10 euros quoi, par rapport à des bracelets à 69 euros. La qualité est certainement en dessous, mais après, tout dépend de ce que vous voulez. Donc on a fait un article, on attaque avec ça, vidéo et truc, et du coup on s'est bien rendu compte que sur la vidéo, il y en a beaucoup qui n'ont retenu qu'une chose, c'est « Hé, où c'est que tu l'as trouvé ta copie de Apple Watch ?» Voilà, donc ça c'est assez drôle. Ensuite la InWatch Heure, donc la nouvelle montre de chez InWatch, qui est une InWatch pour les meufs, avec les deux boutons sur le côté. Donc ça on a bien vu, vous voyez, sur la... Non, c'est pas celle-là, ça c'est une montre connectée, je sais pas où elle est. Bon, elle est quelque part, partout. Donc là, ils ont repris le principe du bouton. Non seulement c'est pour l'allumer et l'éteindre, ça, quand vous n'en avez pas besoin d'une montre connectée, vous pouvez l'éteindre. Et ensuite, certainement, ils vont reprendre la fonction photo à distance qui a déjà été éprouvée en fait sur d'autres smartphones. On a bien vu qu'ils mettaient un bouton en haut, et comme ça, on appuyait à distance, ça permettait de prendre des photos. Donc là, c'est repris. Une montre qui est très jolie et qui est. C'est vrai, quand on regarde les montres connectées femmes, il n'y a pas grand-chose. Il y a. Je ne rappelle plus la marque là, Omate. Voilà, Omate qui en a une. On va leur demander aussi de tester. Et puis InWatch, donc voilà, ça les intéresse aussi. Et enfin, la InWatch Manager, qui sera la nouvelle InWatch, un peu pour succéder un petit peu à la InWatch Fusion, ceux qui trouvent qu'elle fait un peu girly avec ses Swarovski. Là, on aura une montre plus sympa. Avec... Alors, on ne sait pas en bas s'il va y avoir les aiguilles ou s'ils vont nous mettre un hein, vue-mètre, comme on a pu voir sur la Wi-Fi activité. Tiens, ah, les copieurs! La Wi-Fi activité qui doit être fabriquée à côté, là, dans les mêmes usines. Donc voilà, on est impatient, mais là on est plus pour fin d'année là. D'abord ils vont faire la InWatch Heure, parce qu'en fait la InWatch Heure aura une application dédiée qui sera la iFix Plus là. Donc après nous qui sommes en train de traduire la première version, on va faire traduire la version plus après. Il va être content le traducteur. Voilà, donc bon, des montres qui sont jolies, voilà, qui sont intéressantes, que ça permet un peu. Et iOcean qui va proposer un X9, voilà, bon, si vous êtes encore un peu fan de iOcean. Et LG avec son G4. Je veux dire, on ne pouvait pas passer à côté de l'Apple Watch et du G4. Aujourd'hui vous prenez toutes les chaînes YouTube, sans exception, c'est Apple Watch et après c'est LG G4. Et les mecs, il y a tellement rien en fait que dès qu'il y a un nouveau smartphone, ils jettent dessus comme des chiens sur un os. Donc bah, on a fait un article aussi, hein. On a eu un article de rédacteur invité. En plus, c'est pas moi qui rédige, c'est mon stagiaire blagueur là. Donc ça permettait bah, de faire un article là-dessus, puis de branquer un petit peu sur ce terme. Voilà, je veux dire, c'est quand même un peu coréen, c'est pas loin de chez nous. Puis un jour, ils veulent nous inviter. On n'est pas loin vu qu'on va aller au Japon le mois prochain. Le 1er avril, c'est tout. Non, le 1er mai, tu vas tout savoir. Au niveau des films séries télé, j'ai rien regardé de nouveau depuis lundi. Si, bien sûr, Daredevil tous les soirs. Ah, épisode 10, épisode 11, ouh,
Épisode 12 hier soir, et ce soir c'est épisode 13 et après c'est fini quoi. Après c'est deuil national, hein. Déjà je commence à me mettre en noir et tout parce que c'est un peu dur. Alors, concernant les commentaires et remarques. Alors, on a eu pas mal concernant le Ulefone Bipro et l'arôme incroyable. Voilà. Donc, bon, bah, apparemment, on va falloir attendre un petit peu. L'arôme, elle est disponible, nous, en téléchargement. Pour ceux qui la voudraient, vous pourrez mettre l'arôme directement pour flasher les téléphones, pas mal. Beaucoup m'ont demandé aussi, bah, le MLI, si tu veux pas passer en 5.0. Bah, aussi. Mais apparemment, vu la merde que sont en train de faire les autres, peut-être qu'ils ont reporté aussi. Et puis bah, ils ont dit qu'ils les mettraient par ordre de par rapport au numéro de série. Donc plus le vôtre sera vieux, plus vous avez des chances d'être en 5.0. J'ai vu Andy de Guichana, lui il en a en 5.0. Nous le nôtre, enfin qu'on le sorte de la boîte déjà, ce serait mieux. Et bah non, toujours pas la dernière fois. On a essayé la dernière fois, ça marchait pas. Donc faudrait essayer, mais à mon avis, ça va être vraiment petit à petit. Et à mon avis, peut-être que les mises à jour en OTA ne fonctionnent pas bien. Et hein, plutôt que d'installer et de le briquer, on va attendre un petit peu. Hein. On m'a demandé si je pouvais avoir les pièces du Bitouch. Oui, on va s'en occuper. On avait lâché un peu le morceau. Je vous cache pas que nous, on avait fait un. On avait signé quelque chose avec Ulefone pour leur lancement pour 6 mois. Je pense que quand ils auront fini les 6 mois, eux comme nous, on va dire, allez, c'était sympa. Bye bye. Merci. Non, ils font n'importe quoi, c'est trop le bordel. Non, non, là, de trucs en truc, les téléphones, c'est n'importe quoi, les deux derniers. Les mises à jour, les jacks, les appareils photo, la communication, le mec qui est là-bas, il est débordé et tout. Enfin, voilà, ça sent pas le. Ça sent pas le sapin frais, ça sent le vieux sapin, celui qui sent pas bon. Donc, on va laisser couler comme ça, mais je pense que c'est même pas une marque. Je pense qu'on va même pas faire le Bitouch. Parce que là, on a trop de merde avec le Bipro. Et vous vous rendez compte, le nombre qu'on a vendu, il y a plein qui veulent nous le renvoyer et tout. On va se taper le retour, le renvoyer, les flasher, renvoyer téléphone et tout, avec Swisspost, que... renvoyer surtout pas les batteries, hein, avec les téléphones. Comme ça, on peut les envoyer en compost, en espérant que vous les receviez pas, qu'ils n'en reviennent pas. Enfin, vraiment la merde. Voilà, vraiment la merde. Donc, je veux dire, ça va, on a assez de boulot comme ça, sans plus faire chier avec des trucs qu'on est obligé de rattraper les conneries fabricants. Et leur garantie de 2 ans, je peux dire, ils se la mettent profond. Hein. Putain, 2 ans de merde comme ça avec leur téléphone. Téléphone, je raconte pas. Et le Bipro, le premier qui s'est bien vendu, putain, ça arrête pas de râler. Donc voilà, c'était une petite aparté, mais il faut être franc. Voilà, nous dire ouais, mais au début, tu sais que c'est bien. Ouais, mais au début, je veux dire, on rencontre une marque qui est motivée comme elle, qui a envie de mettre les moyens, qui sort un téléphone génial. Je veux dire, tout le monde peut être motivé. Après, voilà, l'expérience fera que. Je suis pour ça qu'on leur dit on n'implante pas une marque en France en 3 mois. Faut d'abord voir. Là, je veux dire, Ulefone, le mec qui veut implanter en France, qui s'accroche bien. Hein. Il va falloir des roumains pour réparer les téléphones et les flasher. Hein. Voilà. Le taquet les 3, alors on m'a demandé si je pouvais l'avoir. Non, personne là, personne que je connais là. Nos revendeurs l'ont pas non plus. Ils ont toujours le taquet les 2 en cola. Mais le taquet les 3, donc à mon avis, c'est pas un téléphone sur lequel on va se ruer. Et on peut les commander que sur internet, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Remarque constamment le titre qui s'appelait La quotidienne. Oui, parce qu'on était ranké sur un autre terme. Si vous cherchez sur Google à quotidienne, en fait vous n'avez pas besoin de chercher, c'est que vous connaissez JT Geek. Par contre, si vous cherchez quotidienne geek, qui est un terme qui est un peu plus généraliste, on a plus de chances de tomber. Et ouais, je veux dire, c'est normal. Je veux dire, et ça, c'est fort aux questions geek, on va arrêter avec les noms un peu exotiques parce que du coup on attire que les mecs qui connaissent JT Geek et non pas les nouveaux. Voilà, on est en train, enfin on est en train, je suis en train moi-même et ma double personnalité psychopathe de réfléchir à l'histoire, comme on a dit, de soutenir d'autres youtubeurs avec d'autres idées. C'est en bonne voie, en fait, en fonction de ce que vous ferez. En fait, si vous avez une chaîne YouTube, eh ben on pourra essayer de vous pousser un peu une fois qu'on aura atteint un nombre d'abonnés défini qui est au-dessus des 30 000, parce que là on est à 32 000, et on vous donnera on participera à des trucs pour faire échanger, pour essayer de vous aider un petit peu, et notamment ceux qui veulent faire des reviews high tech, on essaiera de les aider un peu avec des petits produits sympas pour que vous puissiez avoir de la review, qu'on puisse dans ce cas-là avec des produits à nous vous pousser et que vous puissiez nous pousser aussi, voilà, aussi. Ça, et on finira par les deux derniers commentaires de la classe. Un commentaire sur la boutique, parce qu'il y a un client qui a essayé de commander en Belgique, et il n'y a pas la Belgique. Il m'a fermé en disant, ouais, vous livrez partout, sauf en Belgique, c'est inadmissible. Du coup, je vais aller commander sur Amazon, c'est bien fait pour vous. Le mec, même pas, il a demandé. On t'aurait dit, je veux dire, renseigne-toi aux douanes de ton pays, tu vas voir, mon pote. Des fois ça passe et souvent ça passe pas. Et quand ça passera pas ailleurs, hein, ça fermera ta gueule. Au lieu de faire des commentaires à la con comme ça. Et ensuite le deuxième commentaire qui était lu ce matin, qui étonne même mon stagiaire préféré, hein, vu qu'il est tout seul. C'est quand je lui fais lire les commentaires, il me dit putain mais. Voilà, et on a dit, ouais, parce qu'on m'a demandé si je pouvais pas ouvrir le free shipping sur Skyphone. Alors j'ai dit non, le free shipping c'est que sur la JT Geek Shop parce que ça permet de lancer un peu la boutique et ça fait une offre promotionnelle et tout.
Alors je dis bah non, Skyphone, c'est 4,90. Je veux dire, n'importe quel tracking avec un numéro, je veux dire, c'est quasiment 4 euros en départ d'ici, même pour envoyer un Whippy. Donc on peut pas non plus, machin. Alors non, je dis bah non, on n'ouvrira pas. Ça, le free shipping, c'est lié pour les petits trucs, pour Skyphone, pour les trucs. Et il me dit, ça te coûte rien de mettre le free shipping sur Skyphone aussi. Bah si, bah commentaire. Bah si, ça coûte. Faut bien, c'est pas free shipping, ça veut pas dire que le transporteur te dit, hey, ces frais de port, ils sont gratuits. Non, chez le transporteur, il te dit, hey, il n'y a pas de tracking, pas d'assurance, et on sait même pas sûr que ton colis, et on pourra l'envoyer, mais tu payes quand même les frais de port. Et dans ce cas, les frais de port, faut bien que quelqu'un les paye. Et en l'occurrence, c'est nous. Et donc du coup, on est obligé de répercuter ce prix sur le prix de vente. C'est con, hein? C'est con le commerce, hein? Eh ouais, j'allais dire, avant de mettre des commentaires à la con comme ça, les mecs, il faut vous renseigner un peu, hein, faut arrêter de dire des conneries, hein. Ça coûte rien de mettre le free shipping sur Skyphone. Bah si, ça coûte les frais de port. Oh, je te jure, voilà. Donc voilà, c'est donc cette quotidienne qui n'aura pas duré super longtemps. 11 minutes 31, voilà, le temps que je finisse un peu. Que je vous remercie tous pour votre fidélité. La dernière quotidienne n'a pas trop mal marché, vous voyez. Le fait de la laisser tenir un petit peu sur la longueur, c'est pas mal, hein, en fait 2 jours. Prochaine la quotidienne, vendredi soir, pour le 1er mai. Alors, je ne sais pas quand c'est qu'on va essayer de la torcher, celle-là. Certainement vendredi, et comme ça vous trouverez la foule quotidienne, c'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi, samedi sur le blog JT Geek. Voilà, 11 minutes 52, je vous souhaite un bon mercredi, rendez-vous jeudi, n'oubliez pas vendredi c'est le 1er mai, même en Chine, et pourtant on va quand même bosser un peu, tu le sais, bye bye. Bonjour et bienvenue pour cette dernière quotidienne de la semaine, la quotidienne où on va faire un petit peu un résumé de jeudi, vendredi, il y a pas mal de news, hein. Après, je pense que vraiment l'intérêt, il faudra vraiment que sur cet à quotidien qu'on essaie de développer un peu plus les news, parce que il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Bon, le Xiaomi Mi 5 qui devrait sortir bientôt, donc un téléphone qui se veut toujours, comme toujours, incroyable. Ça a été EP vendredi, alors apparemment il y aura des nouveautés qui seront assez intéressantes. Vous pouvez lire ça sur le JT Geek. Le 1er mai, et oui, une quotidienne en mode 1er mai, vendredi 1er mai, c'est férié aussi en Chine, oui, c'est la fête du travail. À part qu'ici il y a 3 jours, donc là ça tombe bien, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et bah nous on n'a pas besoin de les récupérer, mais c'est vrai qu'il y a des sociétés des fois, ils vous donnent un jour, mais ils vous disent qu'il faut les récupérer et tout, ceux qui ont déjà travaillé en Chine comprendront exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il donne un jour, mais après, ce jour-là, il faut le récupérer. Ilophone qui nous annonce une promo. Alors, bah, le mec d'Ilophone, le nouveau, bon, voilà, il fait une news quasiment par jour, pour dire en rien. Il ferait une news par semaine, une belle, ça serait pas mal. Donc là, il fait une news par. Ah, ils veulent absolument qu'on parle de leur marque et tout, et qu'ils essaient de rebondir un peu avec le Bitouch, pour continuer la lancée du Bipro, qui s'est quand même très très bien vendu. Mais quand même eu, mais qui a quand même eu énormément de merde à cause, bah, déjà le jack, bon, bah, ils ont pas eu de bol, la caméra Sony, ils se sont trompés, et puis la mise à jour quand même en 5.0, qui maintenant fonctionne très bien, mais qui a quand même fait des frayeurs à pas mal de membres. Meizu avec son MX5, donc pareil, il y a un MX5 qui devrait arriver en théorie cette année, qui devrait être, bah, en théorie pas mal. Le MX4 et le MX4 Pro étaient quand même de très très bons appareils. Là, avec le MX5, on espère que Meizu relève un peu encore le niveau. Parce que là, c'est vrai que dans les flagships, maintenant, ça commence à être compliqué. Il y a vraiment, vraiment des avions de chasse. Les nouveaux A7000, on sait qui s'intéresse un petit peu à les nouveaux. Jeudi, on a fait la vidéo du téléphone G2, qui n'est pas un téléphone qui est incroyable en soi, mais qui est un téléphone, voilà, qui vaut moins de 100 euros et qui, bah là, 2G, 3G, 4G, full fréquence, avec un petit processeur et tout. Donc, pour beaucoup, à mon avis, ça risque vraiment de suffire, hein. Jeudi soir, je me suis fait également le dernier épisode de Daredevil, épisode 13. Alors, comment dire, la saison était quand même vachement bien, Daredevil, ceux qui l'ont vu. Après, c'est un peu dommage, je transpire comme un porc. Là, je sors de la douche, là. Ah, tu le sais. Et une douche bien chaude et tout. Là, il fait moins 30 degrés aujourd'hui. Daredevil, voilà. Donc, le dernier épisode qui se finit, je pense que tout le monde sera un peu d'accord avec moi, un peu en queue de pie. Ça veut dire que bon, ça a traîné pendant une saison où il se passait pas bien grand-chose, hein. On est passé un peu d'une histoire à l'autre, machin et tout. Et puis, ben voilà, tout en dernier épisode, c'est tout torché, fini, machin, un truc. Tout est vraiment happy end, la fin à la Scooby-Doo, comme dans Wayne's World. Voilà, tout est bon. Ben, ça s'est fini un peu, voilà, un peu rapidement, avec le costume, machin et tout. Donc, assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous restait? Alors, vendredi, les news de vendredi, donc les news d'aujourd'hui que j'ai programmées pour la journée, parce que normalement, aujourd'hui, on va se promener avec le stagiaire, on va se balader, on va aller manger, on va aller à la OG, là-bas, aller sur acheter des Blu-ray. Et ce soir, on va aller manger chez Shark et tout, trop bien. Pas du requin, mais au moins de la viande. Alors, ZTE qui va sortir un B880. Voilà, ZTE, grosse rumeur, hein, des membres apparemment qui me disent oui, ils disent que ZTE pourrait sortir la gamme Nubia en Europe. Je sais pas, nous on n'a pas eu ce son de cloche ici. Après, pourquoi pas? Moi, ça serait cohérent que ZTE sorte la gamme Nubia, qui est quasiment leur meilleur smartphone, et pour concurrencer un peu Huawei et Honor. Alors, Cyanogen qui pourrait développer de plus en plus avec les smartphones chinois. On a vu Cyanogen, c'est. On va pas dire que c'est fait connaître, parce qu'on dit, oh, j'étais bien connu avant, mais c'est vrai que beaucoup ont connu aussi avec le OnePlus, parce que beaucoup ont acheté le OnePlus parce qu'il y avait Cyanogen dedans, et beaucoup ont acheté le OnePlus et ont découvert Cyanogen. Donc ça a permis d'en fait deux. Donc Cyanogen fait de plus en plus de partenariats avec les fabricants chinois, on l'a vu avec Elephone, où apparemment il y aurait une Cyanogen.
Et apparemment, ils vont vraiment essayer de développer avec d'autres marques. Vu le volume, ils ont un petit peu raison. Le Next Pay, donc apparemment un téléphone, enfin, c'est plutôt une coque avec où on pourra changer les modules et tout. Donc là, pour l'instant, c'est encore, on va voir, c'est un Kickstarter et tout, un projet qui pourrait arriver. Les Oppo Color, donc les deux nouveaux, les Color E et les Color C. De mémoire, en fait, j'ai même pas noté. Enfin, deux nouveaux modèles de Oppo Color. Bah après, les Oppo, c'est franchement qu'on n'arrive pas à voir nulle part et tout. Donc, on verra peut-être maintenant, comme on a un peu de Banggood, si on peut essayer d'avoir un peu des Oppo avec eux, ce serait pas mal. Cube qui va sortir une phablette, donc le T6, donc un gros téléphone, si on veut. Alors, et enfin, ce matin, la news la plus tôt de vendredi matin, ça aurait été vraiment le clone du Galaxy S6 avec le numéro 1 S6i, l'injection, forcément. Pour les spécialistes de GTI. Donc on s'en compte, enfin, quand je fais le truc, il y a vraiment une tendance. Mais j'arrête de transpirer. Ah, voilà. Mes cheveux des cheveux mouillés, déjà secs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Clone S6. Alors, c'est vraiment une tendance qu'on a vue, par exemple, quand j'ai parlé des bracelets pour l'Apple Watch. Putain, je m'excuse pour la vidéo, elle est super sombre, mais chez moi, sinon, il faudrait que je ferme les rideaux et tout. Enfin, j'en parle, il faut que je ferme les rideaux, que j'aime la lumière. J'éteins la lumière, tu vois. Putain, c'est pire. C'est pire. Donc il y a un moment donné, quand on a parlé des bracelets, le premier truc c'est ouais, tu l'as acheté où ton clone et tout, machin et tout. Ben voilà quoi, donc c'est pas facile. Donc voilà, il y a vraiment une tendance. Donc après on a ouvert ça, on dit est-ce que vous voulez aussi qu'on teste les clones? Éventuellement, on fera une Wish Geekly spéciale clone, vous dites lesquels, on les trouve, on les teste, et après on les revend prix coûtant dans la Geek Shop ou alors enfin, dans les petites annonces. Ou alors, c'est à quelqu'un qui veut l'acheter et tout, ça pourrait être une bonne idée, hein. De toute façon, ça pourrait être pas mal. Et enfin, aujourd'hui, le poste pour devenir Geek Plus, ouais, voilà, pour le mois de mai. Mois de mai, à savoir que avec les dons des Geek Plus, on a l'intention de partir au Japon. Enfin, déjà, on va partir au Japon, donc j'ai déjà avancé les billets. Voilà, si on arrive à faire assez de dons, ça sera pas mal, ça paiera le voyage et ça nous encouragera à faire merde, pour Taïwan le mois prochain. Parce que si on n'a pas assez de dons, je vous cache pas que j'irai pas à Taïwan, parce que ça n'a pas énormément d'intérêt au niveau du business. Après, se faire connaître, machin et tout, Hong Kong, c'est très bien. Après, d'aller là-bas, distribuer un peu des cartes de visite, c'est plus pour le fun et puis pour les membres qu'on aura envie d'y aller que dans un but commercial ou dans un but de se faire connaître. C'est beaucoup de Taïwanais, machin et tout. Donc, on verra au niveau des dons ce mois-ci. On a ouvert les dons pour un an. Voilà, ceux qui auront envie de donner un bon coup pour un an. Donc, c'est minimum 5 euros par mois. Vous donnez 60 euros, au moins 100 euros, si vous donnez 80, 100, 1000 euros, je veux dire, je serais pas fâché. Vous donnez au moins 100 euros et vous partez pour l'année. C'est-à-dire que pendant toute l'année, vous aurez accès soit, un, aux vidéos avant tout le monde, vous aurez accès aux petites vidéos qu'on essaiera de faire pour les Geek Plus, mais faut que j'essaie de mettre ça un petit peu en place, et vous aurez accès au tombola du mois, qu'on verra à partir du mois prochain ce qu'on fera, parce que là, ce mois-ci, ça a quand même pas été terrible, et du coup, en fait, vu le montant et le truc qu'on donne, j'aurais vendu le truc, on aurait quasiment fait presque pareil. Donc, et ce qui reste, en fait, on peut quasiment rien acheter. Je voulais acheter des panneaux LED pour changer les projecteurs et tout, et du coup, il n'y a pas assez. Donc, bon, on essaiera, j'essaierai de gérer ça différemment, mais je gérerai ça avec les Geek Plus dans une vidéo qui sera dédiée. Aujourd'hui également, la vidéo du DJI S3, la version 3 Go, qui vous a été envoyée par Bangu justement. Vu qu'on n'arrive pas à avoir cette smartphone avec iFox, on va essayer maintenant d'aller voir les autres boutiques en disant, est-ce que vous voulez qu'on teste du smartphone? Vous nous les envoyez, on les teste. Les boutiques sont pas contre, comme tout le monde fait, comme il n'y a plus d'exclusivité avec iFox maintenant. Et voilà, donc là c'est le 3 Go, bah, un mode love, hein, vous verrez, le téléphone il est quand même juste trop bien, quoi, pour 200 boules, il est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc après les trucs, j'ai pas noté de questions ni de commentaires pertinents dans l'ensemble. Alors les JT Geek, plus bon, un an, ça on en a parlé. On a dépassé ce matin les 32 000 abonnés, donc ça c'est pas mal. Merci à tous qui nous suivent. Et je pense que si en plus on fait des vidéos de clones de contrefaçon, ça devrait avoir une expansion assez conséquente. Voilà. Et je vais finir en fait cette semaine en remerciant les rédacteurs invités qui nous envoient toujours pas mal d'articles le long de la semaine et notre rédacteur stagiaire qui reprend ses news, qui les réécrit quand elles sont pas assez complètes, qui rajoute des fautes des fois de temps en temps pour la blague, mais qui m'aide bien en fait pour le coup. Il fait bien les articles et tout. On a rentré pas mal de produits dans la Geek Shop aussi. Ça, il nous aide sur ce côté-là. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Et après, il teste les produits. Il fait les photos, machin. Il teste la carte mémoire. Il est en train d'essayer de vous installer, de trouver un jeu. Un jeu qui puisse s'installer sur la carte mémoire. Et que comme ça, en fait, à chaque fois, on ait un jeu de référence qui s'installe. Donc, il est en train de travailler là-dessus. Comme ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, on pourrait vraiment avoir un bon jeu à chaque fois pour tester les jeux. Il sera dans la carte mémoire. On n'aura pas besoin de télécharger des machins et tout. Comme ça, voilà. Ça sera un peu le plus-value de, je veux dire, de venir en stage au JT Geek. C'est de nous aider à faire des trucs auxquels on ne prend pas le temps, nous, de chercher un jeu, de les essayer un par un, machin, truc. Voilà. Lui, il prend plus ce temps-là. Voilà. Donc, je remercie les rédacteurs invités et les rédacteurs stagiaires qui regardent peut-être cette vidéo, vu que j'aurais incité à le faire.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour la Good Fac qui a déjà été tournée bah, hier. Donc elle est prête, il ne reste plus qu'à l'uploader. Donc samedi pour l'équipe plus, dimanche pour, sur le blog. Lundi, on a une montre, une smartwatch, voilà, sous Android, qu'on va vous tester. Trop classe. Que les Geek Club verront dimanche et que les autres verront lundi. Et après mardi, on aura la tablette, la V919, c'est sûr. Vu qu'on l'a rentrée, qu'on va la tester lundi pour l'envoyer aux membres lundi soir. Mercredi, soit on vous fait le 6 août qui est arrivé. Je crois que c'est le R7 normalement qui nous ont envoyé. Donc on aura le 6 août. Sinon, on vous testera le Fiutech. Voilà. On est en deal avec Fiutech. Ils nous ont envoyé le nouveau, le G4. Il est terrible, hein, le G4. Vachement mieux que le mien. Le mien, il y avait des espèces de bout de câble. Là, c'est bien, c'est tout intégré, machin. En plus, vous mettez un des trucs pour faire une perche. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Et après, fin de semaine, soit si on a d'autres smartphones, soit non, on finira la semaine avec. On a reçu des balances électroniques. Assez sympathique, en Wi-Fi et tout, plutôt bien. Ça, on a aussi un jeu pour enfants et tout, pareil, là, faut qu'on le teste. Enfin, j'ai énormément de produits, donc c'est quand même plutôt une bonne chose d'avoir pas mal de tests. Et puis, on essaiera de. Un truc ah, qui va arriver dans la semaine. Voilà, je vous en parlerai un petit peu dans la semaine quand ça sera en place. Il faut qu'on achète les trucs, qu'on fasse la review, tout comme d'habitude. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. 9 minutes 41, moins de 10 minutes, on est plutôt pas mal. Je m'excuse pour le truc noir, hein, mais bon, c'est fin de semaine, c'est 1er mai. Hein, c'est quand même la vidéo. C'est bien, ça suffit, comme ça, en mode sombre, en mode vacances. Allez, bien prospecter, je donne rendez-vous demain. Thank you.